Donc nous sommes avec Élise Caillat qui vient juste de recevoir son prix puisqu'elle vient de terminer deuxième sur le challenge West Rail Tour 2013. Donc Élise, comment s'est passée cette saison 2013 pour toi ? La saison s'est très bien passée, j'ai fait une dizaine d'épreuves pour la plupart en Bretagne et donc j'ai participé au challenge West Rail Tour et j'ai terminé sur le podium, là. Donc j'ai terminé deuxième derrière Sylvia Squette. Bon, malheureusement, j'ai pas participé à la dernière épreuve qui avait lieu à Moncontour début décembre. Mais bon, c'est pour une bonne cause, puisque voilà, je suis enceinte de 4 mois maintenant. Voilà, un bébé prévu pour juillet 2014, oui, parce que 2015, tu risques d'avoir un peu de mal à aller jusque-là quand même. Donc une belle saison 2013 qui se termine en beauté avec un bel événement. Voilà, donc 2014, pour toi, ça sera une année un peu de transition où tu vas te préparer pour un autre challenge, je pense. Alors oui, tout à fait, 2014, repos, récupération, et puis par contre en 2015, j'ai déjà des petites idées derrière la tête, éventuellement en fin d'année avec Laurent, on aimerait bien partir à La Réunion. Le Grand Raid 2015. Alors après avoir pour la distance, Laurent serait partant pour la longue distance, moi je m'alignerais peut-être plus sur le 70 ou le 80. Voilà. Donc l'idée c'est quand même d'aller vers de l'ultra d'ici quelques années. La Réunion parce que c'est une course particulière, mais après en faire ma discipline fétiche, pas forcément. Non, après j'adore les courses en Bretagne, donc je recourrai avec plaisir dans la région. Ok, bah écoute, au plaisir de te retrouver dans une année alors, on va dire, et bon courage pour la suite. De même. Merci Élise. À bientôt.